compagnons, tout à l'heure, avez-vous aperçu derrière le menhir comme une forme blanche? Je crois bien avoir reconnu, fuyant les serviteurs qu'on met à sa poursuite, devinez qui? Vous ne pourriez le croire. La fille, oui. La fille de notre roi. La princesse Elisène, exquise et douce, et chère à nous tous, retombe. Et qui, malgré son père, aima, vous le savez, le roi lointain du royaume de France, lorsque Périon vint visiter ce pays. Périon était beau, et les chansons de France savent parler d'amour à ses cœurs de 20 ans. Mais Périon est mort, et la pauvre Elisène a, du cher disparu, deux fils jumeaux, Galaor, Amadis. Ils sont petits encore, oui, mais le roi de Bretagne est jaloux des enfants, qui pourront un jour, fils d'un héros, revendiquer leurs droits sur la terre bretonne, et, français, réclamer le trône de Bretagne. Le roi veut que ses fils ne puissent pas régner, ne puissent pas grandir. Et tenez, ce sont eux, et c'est aussi leur mère que cherchent ces soldats au loin. Regardez-les. Thank you.
On dirait qu'elle a peur. De quoi? De l'avenir. 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 Oh, double destinée. Enfant né de l'amour et de la douleur, la douleur et l'amour les suivront dans la vie. Ils aimeront tous deux, et tous deux souffriront. Sois fière, ô Elisène, princesse, soyez fière. Tous deux, ton Galaor et ton bel Amadis, seront braves et forts, intrépides et doux. Les chercheurs de péril, les chevaliers du rêve. Mais la vie, l'âpre vie en fera des rivaux. Je vois du sang dans un avenir sombre. Je vois de la détresse et je vois de l'amour. Les fées savent nos destinées. Elisène veut fuir. Son vœu la terrifie. Elle voudrait reprendre aux chères protectrices ses petits devenus les deux filleuls des fées. La fée lui fait un signe. Au courant du ruisseau, la mère va chercher de ses pierres magiques où Merlin l'enchanteur a gravé des étoiles. Elle les suspend, brisant son collier au cou des deux frères pour leur servir de talisman. Pour les reconnaître, ou les faire se reconnaître s'ils sont séparés un jour, ou si elle vit. Si elle vit? Non. Elisène succombe. Oh, princesse Elisène, dors sous l'arbre des fées une dernière fois.
dernier appel d'Elisène, martyr de l'amour, et conjurer le sort qui menace ses fils. Brillant,